aussi. Là, c'est bloqué là, là. Les blocs là, tu peux ouvrir, là. J'aime pas ça. Je suis revenu encore, hein. Les bâtards, les Babylonais, là, je suis revenu. Ton profil visage magnifique que tu prends pour narguer les gens, là. Je suis de retour. Le portable est tombé. Ah, une imbécile, une arriviste comme ça. Toi, tu es arrivé quand dans le monde de l'argent, toi, tu es venu nous effrayer. Toi, tu es venu nous effrayer, nous-mêmes. Ceux que tu effrayes, là, faut mettre peinture sur tes rien dit ça. Il faut les peindre. Comme ça, tu vas les reconnaître. Pas nous, là. Moi, personnellement, tu ne peux pas m'effrayer, ni toi, ni ton grand frère. Votre sorcellerie que vous faites là, ça a réussi sur les autres, mais pas sur moi. Ceux que vous partez payer, donner une gamme de pommade et puis viennent s'asseoir pour raconter leur merde là, c'est sûr que ça peut fonctionner, mais pas sur moi du tout, du tout, du tout. Alors là, imbécile, toi, une chienne, quand tu as venu moi m'effrayer en France. Toi, tu as venu moi m'effrayer en France. Moi-même. Quand la patronne est là, tout le monde chut. Moi-même, il m'était pas une chienne misérable. Fille ratée de ses parents. Fille ratée de ses parents. Une imbécile heureuse. Elle est sortie sur les réseaux sociaux pour parler. Moi, yaka, elle est rentrée en brousse. Aïe. Mon père m'a jamais appris ça. Jamais de la vie. Sauvage, pauvre lot. Des bâtardes comme ça. Toi, une chienne, quoi. T'inquiète pas. Tu m'as donné ton adresse et puis nous, on a couru comme des moutons. Le bouton nous a convoqué, on court, on s'en va. Moi, monsieur, je te donne mon adresse, tu as qu'à venir chez moi. Si tu as qu'à donner mon adresse et puis elle voit si tu as venu. Écris-moi en une box, c'est ton vierge magnifique là, comme tu as l'habitude de faire là. Et puis tu vas voir si je vais t'envoyer mon adresse et puis elle voit si tu as venu chez moi. C'est qu'il a été montré chez moi là-bas, là. C'est que tu vas descendre par le balcon. Tu vas sortir par le balcon, ma chérie. Tu vas rentrer par la porte, mais tu vas sortir par le balcon. Parce que quand tu vas rentrer, il vient boucler la porte et puis il va avaler la clé. Tu vas voir ce qui va se passer. Chienne, là. Ceux que toi, tu effrayes, là. Tu les connais pas. Bâtarde, là. Ah, tu as dit, oui, le beauté est là, venez m'accueillir à l'aéroport, venez me faire ça à l'aéroport. Ma chérie, celui qui est bête pour aller t'accueillir à l'aéroport, là, c'est qu'il est bête. C'est pas à l'aéroport qu'on va aller t'accueillir. On n'a qu'à se rencontrer quelque part. On n'a qu'à se donner rendez-vous quelque part, si tu veux. Donne-moi une adresse neutre, le beauté. Donne-moi le porteur de couche dit. Dites à le beauté que le porteur de couche dit de lui donner une adresse neutre. Qui n'est ni chez toi, ni pas à l'aéroport, hein, qui n'est pas chez toi. On n'a qu'à se croiser quelque part dans Paris. On n'a qu'à se croiser quelque part dans Paris. Ou bien où tu veux, mais pas chez toi. Tu vas voir ce que, tu vas voir si je ne vais pas venir à ton rendez-vous. Et puis tu vas voir ce qui va se passer là-bas. Donne-moi une adresse neutre qui n'est pas chez toi, Lolo Beauté. Donne-moi une adresse neutre. C'est pas chez toi à la maison. Parce que je veux pas qu'on m'accuse on me dise que j'ai fait une violation à domicile. Mais donne-moi une adresse neutre, convoque-moi quelque part qui n'est pas chez toi. Tu vas voir si je n'ai pas venu te rendre visite là-bas. Tu vas être fier de moi. Comme tu es forte là. Toi, c'est pour toi Paris, non? C'est ton papa qui a construit les Champs-Élysées. C'est ta mère qui a construit la Tour Eiffel, n'est-ce pas? Donc c'est pour toi à Paris. Donc donne-moi une adresse quelque part dans Paris. Et puis tu verras si je ne viens pas là-bas. Et puis tu vas voir ce qui va se passer là-bas. Prends tes clans, tes gars, du corps, tout ce que tu veux. Mais tu vas voir s'il y a un qui pourra m'arrêter. Tu vas voir s'il y a un seul qui pourra m'arrêter. N'importe quoi. Et pourtant, tu connais où? Il est allé là, il est dépassé seul. Pétasse.
Nous comme ça, toi tu vas arriver à Paris, nous tous on va rentrer en brousse. Parce que qui est mort? Parce que on veut le beauté arriver, tout le yaka yaka là on suit, ça frôle là. Ça n'arrête pas d'arriver, hein, ma chérie. Il faut bien, faut avoir, tu as dit qu'il faut avoir trois pins pour que ça arrive. Toi le beauté, il faut que tu aies trois, tu pousses trois pins d'abord. Quand tu auras trois pins en bas de ta, en bas de ton puits là, en ce moment là, il y a un fuite devant toi. Quand tes pins vont. Tu as dit que tu vas pousser trois pins. Voilà. Ils vont me dire qu'il m'a fait violation de domicile. Tu vois, je suis bête. Je ne suis pas fou pour aller dans ton domicile, hein, ma chérie. Donne-moi une adresse neutre. Tu vas voir s'il n'est pas venu là-bas. On se trouve partout, quelque part où tu veux. Tu vas voir ce qu'il a été montré là-bas. Tu vas voir si toi tu es femme. Tu vas voir ce qui va se passer. Donne-moi une adresse. Tu me dis la date et quand tu veux. Avant que tu repartes, là, 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 là. Allez, les yeux lui disent ça. Et puis tu vas voir. N'importe quoi. Une chienne comme ça. Toi, tu es malade. Le beauté est revenu à Paris. Et la patronne, elle a tout le monde l'a fait. Tu es pas bien. Ou bien tu as chié par ton compte. Tu as chié par ta chatte, non? C'est pour ça que toi, Mounouan, c'était devant toi, imbécile. Comme c'est ta mère qui a construit les Champs-Élysées, et puis nous, c'était devant toi, là. Comme c'est ton père qui a construit la Tour Eiffel, c'est eux qui nous ont envoyés en France, non? Ceux que tu commandes là, c'est les Mimi, là. Hein? C'est eux que tu nourris. C'est pour ça qu'elle gueule n'importe comment dans tes vidéos, bêtement, comme une sauvageonne, là. Sinon, c'est eux que tu nourris. N'importe quoi. Et là, le beauté est venu. Non, non, c'est tu. Tu es malade ou bien? Il bénit bien, qui sait quand? Il bénit bien, qui sait quand? Hein? Il bénit bien, qui sait quand? C'est que toi, tu as fait fuir là, c'est nous. Moi, il aime fuir à cause de Lolo Beauté. Hein? Moi, il aime fuir à cause de Lolo Beauté. Lolo Beauté, bordel, sale pétasse là. Sale chienne, qu'un jeu glisse sur toi. Ça glisse sur toi, pourquoi à chaque fois tu viens répondre? Ma chérie, ça glisse sur toi, pourquoi toujours tu viens répondre? Dans ce cas-là, il ne faut pas répondre. Quand on dit un jeu glisse sur moi, là, mais tu ne réponds même pas. Tu es dans tes affaires. C'est-à-dire que les chiens, laisse-nous aboyer. Comme tu dis, on est tes animaux, on est ton animaux. Oui, mon animal, mais c'est sa queue entre les jambes. Quand il parle mon animal, mais tu ne sais même pas faire la différence entre pluriel et puis singulier. Imbécile, là. Toi, tu as une tendance pour parler devant à quelqu'un. Sauvage. Ta mère con. Moi, je te dis ça. Ta mère con. Et puis, je suis à Paris. Et puis, je me balade partout où je veux. Et puis, je te rencontre là. Hier, tu vas voir ce qui va se passer entre nous. Si je te rencontre là, Lolo, toi et moi, ils vont nous ramasser à terre. Tu n'as pas dit que tu es forte. D'après toi, tu fais karaté, que tu es trop forte. Toi et moi, là, ils vont nous ramasser à terre. Wallahi, bilahi, talahi. Je te rencontre partout dans Paris. Toi, Lolo Beauté et moi, ils vont nous ramasser à terre. C'est-à-dire que les gens vont nous séparer par terre. Ben, c'est qu'il y a te montrer là. C'est qu'il y a te montrer. Toi-même, tu as pas. C'est-à-dire que. Tu penses que tu es bête, non? Tu penses que tu es sauvage. Mais c'est pour toi que tu connais. Allons seulement. Nous, on fuit Paris par toi. Pourquoi il n'y a pas de lumière ici? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aïe! Tous les lampadaires là sont éteints. Ok, pas ça. Carrément. Et la patronne est arrivée, tout le monde se tait. La patronne. Toi, tu es la patronne de qui? Moi-même. Que mon animal. Que oui, mon animal. Quand j'écris mon animal, quand je dis, hey, mon animal, j'écoute la vidéo même là, je suis MDR. Il dit, voilà quelqu'un aussi qui dit qu'elle est en train d'insulter quelqu'un. Voici quelque chose qui est en train de parler. Hein? Un objet terrestre non identifié aussi qui veut ouvrir sa gueule pour parler. Hein? Les gens de Babylone 5, là. Ton père même, il a la troisième œil sur son front. Et c'est pas c'est ça votre magie, c'est ça votre sorcellerie, là. C'est l'œil qu'il prend pour visionner de loin, pour pouvoir repérer les potentiels proies qu'il ramène à Makoso, là. Peut-être que c'est ça qui est la vérité. Parce que sinon, pourquoi front de combat de Kainvaz, qu'on a pu en laisser ça comme ça? Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous utilisez ça dans une autre phase de la vie. Vous savez. Vous utilisez ça dans un autre monde.
à votre avantage. C'est pour ça que ça est là comme ça. Sinon, pourquoi? N'importe quoi, bande de racailles, bande de voleurs, bande de cancrelats, les animaux de la brousse là, les chiens baoulés que vous êtes, les chiens de derrière rail là, vous allez dire quoi? Des babillés comme vous là, des babillés comme vous. Moi, il dit ça. Celui qui n'est pas content, c'est sa mère con. Il dit, le côté son babillé encore. C'est lui ou celle qui n'est pas content, sa mère con également. Son babillé également. C'est comme ça y est. Allez-y, lui dit ça. Yaka Paris dit, ta mère con encore, tous les jours. Voilà. Qui dit que lui ne peut pas se taire, par exemple, il est rentré à Paris. Il a une vie à Paris. Il fait sa vie d'abord avant de s'occuper d'un cafard d'égout de ton espèce. Il finit de faire ce qu'il a fait d'abord avant de parler de toi. Par exemple, tu n'es pas importante. Voilà. Pour lui, tu n'es pas importante. Le lieu que vous allez vous croiser, il va t'écraser. Il va te faire savoir à quel point tu n'es pas importante. Voilà. Si tu veux, là, je te donne mon adresse et puis il faut venir chez moi aussi. Comme toi, tu sais donner ton adresse là. Moi-même, je te donne mon adresse. Viens chez moi. Tu vas voir ce qu'il y a de fait. Viens chez moi, le beauté. Parce que je n'ai pas donné mon adresse en public comme ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir chez moi. Tu vois, non? Donc, je ne veux pas donner mon adresse à tout le monde. Excusez-moi, hein? Je ne veux pas donner mon adresse à tout le monde. Mais toi, le beauté, je vais bien te donner mon adresse. Tu vas venir chez moi. Tu vas voir ce qu'il y a de montré. Tu vas voir ce qu'il y a de fait. Espèce de dévergondé. Mère con, chienne, bâtarde. Mais pourquoi tout est noir partout, partout là? Qu'est-ce qu'il y a? Aïe! Vous roulez ou bien vous roulez pas? Ils avancent aux choses comme des tortues là. Et elle est venue à Paris, donc tout le monde fuit. Ceux qui fuient là, va les chercher ailleurs. C'est pas imbécile. Ta mère qu'on arriviste. Pauvre loup. Pauvre l'autre. Ta mère qu'on. Moi, il dit ta mère qu'on. Tu es en train de faire lui que tu la vieille mère Béa Gougnon a insulté ta maman. La bébé a insulté ta maman ou une menteuse comme toi. C'est parce que tu l'as insulté qu'elle a insulté ta maman. C'est parce que tu l'as insulté qu'elle a insulté ta maman. Tu penses qu'on n'a pas, on n'a pas tout suivi. On a tout suivi, mais comme toi-même, tu l'as guetté parce que elle t'a insulté les Ivoiriens là. C'est pour ça que tu l'as guetté. Sinon là, elle n'a pas insulté ta maman. Elle a recadré quelqu'un qui a insulté Henri Konan Bédié. Toi, tu sors de nulle part, et ton con sale là. Et ton con qui saigne là. Ton con qui dégouline. C'est-à-dire que t'es ton con immonde là. Tu cherches pas à faire toilette de ta sale chatte là, que les gens ont baisé n'importe comment, n'importe où là. Tu fais des enfants bâtards par-ci, par-là là. Toi, tu es malade. Y a moi cette dévergondée là. Espèce d'idiote. Mère con de. Moi, je dis mère con de tous tes parents. Si tu n'es pas content de là, c'est comme ça y est. Maintenant, si tu n'es pas content, je te donne mon adresse, tu viens chez moi aussi. Tu vois ce qu'il y a de fait. Je te donne mon adresse, tu viens chez moi. Toi, le beauté. Et puis, tu viens chez moi même avec en direct, hein. Quand tu viens là, quelqu'un n'a qu'à attraper direct derrière toi. Tu vas voir ce qui a été montré dans ton direct. Tu seras étonné. Bâtard là, ton con sale qui coule là. Faut chercher à aller, chercher médicaments de chlamydia. Tu as nettoyé ton sale con là. Il y a des gros comprimés comme ça, effervescents là. Tu me fous ça dans ta chatte là. Ça va nettoyer ton chlamydia là. On est venu parler aux gens. Ta chatte te gratte. Tu dis que tu sais attraper garçon. Pourquoi connaître ta chatte comme une malpropre? Connais ta chance, tu es dans le chagrin de ça, tu envoies un message vocal. Il y a ton message vocal que tu as laissé à Conné là. Hein. Tu l'as menacé de mort. Je vais déposer ça à la police. Hein, tu menaces les gens de mort. Je vais déposer ton message vocal que tu as laissé à Conné là, à la police. Que oui, toi, tu as allé chez Marabout. Tu as dépensé 2 millions. Que toi, tu as dépensé même 2 millions pour que la peine de Conné ne bande plus parce que le mec ne veut pas de toi. Ma chérie, toi qui sais bien, d'après toi-même, toi qui sais bien chevaucher un homme. Toi qui sais bien t'occuper d'un homme. Pourquoi il t'a largué comme une malpropre? Pourquoi il t'a jeté comme une sale chienne, ma chérie? Bah, tu vaux rien, tu ne vaux rien. Ton coin est trop ouvert. Ton coin là, est trop en puits. Donc, il peut rien faire avec ça, ma chérie. Conné n'a rien à foutre dans le gros con sale. C'est pour ça qu'il t'a jeté. Tu dis que oui, il te laisse avec femme là. Je vais fermer con là. Je vais fermer con là. Mais toi, ta pine ne va plus bander. Je vais envoyer 2 millions au Bénin.
Et à moi, cette féticheuse arriviste imbécile, ta mère con. Toi, tu penses que toi, tu peux arrêter la peine de quelqu'un de bandé. Toi, tu peux faire ça. Toi, tu es Dieu, non? Ta mère con, imbécile, pauvre lotte. Pauvre lotte, oh. Mais chouchou, je suis en train d'arriver chez moi, hein. Je vais rentrer pour garer ma bagnole. Et puis, je vais monter chez moi, prendre une bonne douche, m'occuper de moi-même. Et puis, mais toi, tu viens te garer. C'est là que je rentre, j'ai mis mon clignotant. Ou bien tu vois pas clair. Ouais, c'est la fête de Noël là qui t'a fait croire que le clignotant, là, c'est guirlande. Quel comportement de cour commune, c'est imbécile. Là. Le bouteille, ils ne savent pas conduire. Ils sont sur la route. Danger public. Imbécile. Là. Voilà. Ça, c'est chez moi. C'est l'entrée de mon garage, ça. Ma chérie. J'ai acheté ma maison, hein. C'est l'entrée de mon garage, ça. Je suis en train de rentrer comme ça, traverser, pour aller dans mon garage. Voilà. Il ne faut pas y aller filmer la voiture de mon voisin, il va mal prendre. Voilà. C'est l'entrée de mon garage, ça. Voilà, ma résidence. Regarde un peu ma résidence, ma chérie. Regarde un peu ma résidence. Regarde un peu ma résidence, ma chérie, la nuit. Regarde comment c'est joli. Regarde, j'ai traversé un garage, non? Je retraverse encore un deuxième. Pourquoi lui, là, il fallait que lui, là, il soit devant moi. Merde. Ça m'énerve, quoi. Je retraverse un deuxième encore pour rentrer chez moi. C'est-à-dire que sécurité, sécurité Nangaï. Voilà.